Et on fait un coucou à vos copains sur YouTube. Tu comptes jouer à l'héritage de Severus 2? C'est quoi? Continue comme ça. Toi aussi, bientôt, tu auras, comme moi, 800 plus dans ta wishlist. Arrêtez avec vos suggestions. Hey Il a there, déjà silly pas le temps little de jouer à trigger. Ravenous What's so Devil. far my phone? Très sympa, insurmontable. Oui, merci pour la découverte. Ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne découverte. Après, que ça paraisse un peu déconnant, c'est pas dérangeant. Dans une phase blindée. Salut Yann Aster, comment vas-tu? Avec vous, toi et Jack, je découvre des jeux que je ne savais même pas que je pouvais aimer. C'est bien parti pour la Wii de plus 800. Coucou Tata, je suis sur Internet. J'aimerais bien le revoir à l'occasion, l'insurmontable. Je pense que je le ferai, tu vois, par petites touches blues. À l'occasion, ça me paraît bien. Ce fond d'écran Fallout Shelter, tu kiffes? Moi aussi, je kiffe. Allez, on lance, on voit, hein? Parce que vos petits copains sur YouTube, eux, ils ont pas le droit au blablatage. Oui? Ah, merde, je suis con. C'est l'histoire d'un débile. Voilà. The game. Ah merde, il est fou l'anglais? Aïe, 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 aïe. Sachant mon niveau, ça va être compliqué. Il est de qui? Parce que c'est bien beau, mais il est de qui le jeu? Alors attendez. Horror Cooking Simulator. Oui, non, mais ça, je sais. En fait, c'est un couple qui tue des gens, qui les. Enfin, qui les. Voilà, ils vont faire de la thune avec. Enfin, bref. C'est Bad Vice Games. D'accord, gestion cuisine. Cuisine, je sais pas si l'étiquette est juste quand même. Protagoniste détestable et crime. Ok. On va t'aider, Franck. C'est au-delà de m'aider quand même. Non mais qu'on se mette d'accord, sérieusement, il y a trop de jeux à faire et trop peu de temps. J'ai qu'une vie. I can do the traduction. Thank you very much, Aenarae. Il est en italien sinon. Ma che si, habla muy bien in italiano. Press any button to continue. Presse le bouton Dani pour continuer. Tu sais, René, j'ai connu une Annie, mais je peux pas t'en parler. Salut, Emerita, comment vas-tu? Un petit jeu vraiment sympa, amuse-toi bien. Ah bah écoute, je vais le découvrir. Voyons voir dans les settings, graphique, contrôle, language. Oh putain, il n'y a pas le français, putain, il y a chinois, il y a russe, il y a italien. Bon, graphique. Ouais, tout est en ultra, full screen, ok, on s'en fout. Bon, bah play. Ben, day one, je suppose. Et comment vas-tu, Emerita? You mean you do mind if it starts talking like that, Frank? Il y a un film français avec le même pitch que ce jeu aussi. Non? Oui. Cela ne nous regarde pas. En chinois, please. Il y a le film Sweeney Todd. D'accord. Langage vodka d'Havaï. Que les anglophones lèvent la main. Même en italien, je peux traduire. Eh ben, je vais bien. Écoute, on a découvert Insurmontable entre deux blablatages. C'était un délice. Et là, je vais découvrir celui-ci. Merci, Grevèche. Putain, c'est con que les sons déconnent. Mais je suis sûr que c'est Streamlabs qui déconne. Merci beaucoup, t'es adorable. Merci beaucoup. Et te fous pas de moi. Day 1. Day 0, pardon. I barely slept while we were on the train. My thoughts kept me awake with a burning fever to see our new home. My wife Hildred and I decided to move suddenly. She hurriedly packed our luggage, taking only what was strictly necessary. We cut a good deal buying this place near the river, which had previously been owned by a well-known barber in the town. This house is surprisingly large. There's enough space on the ground floor to turn it into a beautiful pub, while downstairs in the basement there's already a large, cozy kitchen. I can't wait to get to know my new customers. I've always enjoyed watching people eating the meals I've cooked for them lovingly. My husband, Percival, has cleaned the first floor and set his room up for business. A fancy tailor shop. It won't be long before we see the women from the local district showing off the beautiful outfits he has made for them. We are going to bring home the gold with our business. You may wonder what the secret behind our success is. Our loyal clients, obviously. Fantastic people.
feel kind of sorry about killing them. We've decided to use an unusual ingredient in our specialties as a result of the insanely high meat prices. Due to sheer hunger, or simply because it tastes so delicious, human flesh is highly appreciated. We do not know the reason why, and we don't really care. But don't worry. We don't waste anything. Even their clothes are cleverly reused by Percival. They just need a little patching up, and then they are ready for sale again. At full price, of course. We are working so damn hard to do things right and earn as much money as we can. D'accord. Donc, lui, il est tailleur. Elle cuisine. Il bute les gens. Elle cuisine. Délicieux. Non, mais c'est délicieux. C'est délicieux. C'est une comédie. Et bon appétit, bien sûr. Oui. D'accord, ils sont affamés comme des chiens. Nous serons bientôt riches. Pas trop rapidement, chérie. Oui, bien sûr, il faut travailler dur. Ouais, faut en buter quand même des gens, non? Enfin, attends, si tu butes ta clientèle, comment tu deviens riche, en fait? Une caméra à la Beast Wars of Mine, un peu. C'est vrai. Moins sombre, ceci dit, parce que tu es quand même avec des couleurs. Ah justement, il faut que j'aille faire cuire mon dîner. Et vu sa voix, je pense aussi qu'ils fument leurs cheveux. Ça marche, Patty, des gros bisous. Tu les voles CQFD. Mais même si tu les voles. De ce que j'ai compris, ils récupèrent les fringues pour en faire du tissu ou je sais pas trop quoi. Il faut quand même les vendre. Tu recycles les clients qui ne peuvent plus payer. Ça, c'est faisable, ça, par contre. Tu butes la clientèle du tailleur. Pas du pub. D'accord. Yes, I know you don't have to keep repeating that. There's blood everywhere. D'accord, il a récupéré le tissu. Ça, c'est pour nettoyer le seau. Le seau, c'est pour nettoyer, on est d'accord. Un gros caca. Désolé, ça m'a fait rire. D'accord. Elle est costaud, la petite dame, quand même. Hein. D'accord. Oh putain. Non. C'est affreux. Mon Dieu, mais c'est horrible. Le livre de ma grand-mère, il est où le livre de ma grand-mère? Ah, recipe. Donc il me faut de la viande et de la farine. D'accord, viande et farine. Ok, 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 je respecte. Back. Ok, flour. C'est ici. D'accord. Donc flour. Et de la barbac. Dis donc, le mec, il était plus gros que ça quand même. Le sang qui dégouline de partout. Il s'attaque aux indigents, j'imagine. Ça fabrique de la merguez. Ah oui, pour le coup, oui. Les devs du jeu sont probablement des psychos. Tu fais deux tours avec un adulte entier. Les bouchers sont scandalisés, même pas un découpage en règle. Ils pourraient au moins lessiver, comme un sac de patates. Bravo, le gaspillage. Ah merde, je le pose où? Attendez. USV Smith, paille, un verre. Mais où? Un verre quoi? Comment je fais? Ah, d'accord. Ah, faut jouer avec ça. Ah, d'accord. Mon Dieu, mais quelle horreur. Mais ça dépasse l'entendement. Molette vers le haut, ouais, ouais.
Le comptoir. Oh là là, mon Dieu. Mais oui, mais je voudrais que tu prennes ça, Johnny. Ouais, parce que c'est... Si on a un client qui vient, c'est un peu rock'n'roll quand même. Oui. Ça, j'ai compris. D'accord, le mannequin, il est là, d'accord. Russell Vem. A steep price, of course. Wasn't, was not and want not. D'accord, on prend le tissu ici. D'accord, et on l'amène ici. Mais je ne peux pas attendre, d'accord. Merci Emerita pour le follow, merci pour ta confiance et bon appétit bien sûr. Tourte à la viande et dents et os, encore un jeu qui va me donner faim. Une peinture bio pour le sol, c'est affreux. Ok, ça m'a fait un vêtement. Et on le met sur le mannequin. D'accord. Je suppose qu'en fait les gens vont acheter. C'est moi ou ça dégouline de sang? Open up the shop. Come inside. D'accord. Non mais les gens ils vont acheter. Oh non mais quelle horreur. Quelle horreur. Ah mais tout est parti. Mais putain, mais les gens ils mangent comme des ogres. Les poulardes, j'ai faim. Mais les méthodes ne nous regardent pas. Je retiens pour la vraie vie. Tu ne dégoulines pas de sang, c'est pas toi. Ça change des donuts. Oui, tes clics font un effet de sang qui gicle. D'accord. Ah, je pensais que ça venait du sol en fait. Wait for the client to arrive. Ok. No, we are alone. I comprehend. Alors, je dois lui reconnaître au moins une chose. C'est que c'est pas un enfoiré parce que le mec l'attaque pas dans le dos. Il fait ça vachement proprement. Bon, je veux dire, la méthode est dégoûtante. D'accord? No stress. Mais pas en fourbe. Ouais, non, mais tu nettoies. Ok, je crois que j'ai compris. Elle est où, madame? 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 Ouais. Comment elle fait pour descendre? Attends, chérie, comment on fait pour descendre? Ah, voilà, c'est bon. Ah ouais, parce que... Ah, j'ai des objectifs. Ah oui, bah, Johnny... Oui, excuse-moi. Ça va, gueule pas. Oh, pardon, Nina. Oh non. Non, non, madame, partez. Pitié. Oh, pardon, je suis désolé. C'est ma femme qui m'a dit de faire ça. Allez, à poil. Je suis désolé, je m'occupe du client déjà. Enfin, j'arrive quoi. Je fais comme je peux et comme je veux quoi. Janine, occupe-toi de ça. C'est pas moi, c'est ma femme. Bah ben oui. C'est elle qui a choisi. Oh l'enfoiré, il lui a tapé le vêtement. Oh le salopard. Comment ça, il n'y a pas la place? Ah mais t'as pris la viande déjà? Ah t'as pas perdu de temps, hein. Ok, j'ai ça. Et hop. Oh, oh mon Dieu. Attendez, j'arrive dans... J'arrive madame, vous inquiétez pas. J'arrive de suite.
Ah oui, moi aussi j'adore cette couleur. On est sur quelque chose d'assez positif hein, dans l'ensemble. Hein. Ouais. Double kill. Minute, je suis pas un robot. Oui. Client à gauche, elle va partir. C'est pas grave. Je préfère qu'elle parte plutôt que de me faire gauler. Non, non, foutez le camp. Madame, s'il vous plaît, partez, ne revenez pas. Voilà, c'est ça, achète des vêtements. C'est très bien, les vêtements. Oh, oh merde. J'ai oublié de faire cela. Chérie, faut que tu t'occupes de cela. Voilà. Ah oui, non, faut se débarrasser des corps. Non. Laisse-moi tranquille. Débile. Ah bah oui, il y a du sang partout. Ah bah, oh bah il saigne plus. Bon, ça cotérise vite. Hein. Faut optimiser là. Ouais, voilà, c'est plus optimisé. Non, mais quelque part, je prends mon temps, tu vois. Je suis un tueur, voilà. C'est ça, monsieur souris. Ah ça y est, c'est prêt. Nice. Chérie. Les clients attendent. Mais non, prends le tissu. Mets-le là-bas. Nina, qu'est-ce que tu fais? Starting over is never easy. D'accord, les humains sont nos amis, pas manger, voilà, tout est de la faute de Ève et Adam. Elle était innocent, il a seulement écouté sans réfléchir. Au-dessus d'un seau. Bonsoir Tomba, comment vas-tu? Bonsoir, tu veilles bien, bien tard ce soir. Ah bon? Mais il est quelle heure? Non, il est une heure. Non, non, ça va. Bon dodo Freeman, des gros bisous. Améliorer notre business. Je sais pas si c'est vraiment ce que je veux. Sausage. Non, mais je vais pas aller à l'improve pour le moment. Là, pour le moment, hop. On va préparer. Ah mais attends, on peut carrément prendre le temps pour préparer, mais c'est trop bien. Johnny, tu as tout nettoyé? Ouais. Ah mais il a un deuxième mannequin. Non, il peut pas. D'accord, il y en a qu'un. Ah, vous savez quoi? Vous avez préparé en avance. Voilà, on va faire comme ça. Ouais, c'est en cours. Ah, il faut que madame, elle se débarrasse des corps hein, à un moment donné. Hein, parce que là... Moi, je veux bien, mais bon, à un moment donné, c'est plus faisable, quoi. Oui. Tu peux tout préparer avant d'ouvrir le magasin, un bon avantage. Ah bah, carrément. Est-ce que donner des conseils sur comment faire de la tourte et à l'humain fait de nous des pervers? Oh, tu sais, moi je pose plus vraiment de questions en vrai. Voilà. Par contre, ce qu'on va faire. Ah. Ah, bien. Elle a eu bon réflexe. D'accord, la porte ici. Et des rouges en bas. Une femme qui fait disparaître des corps au broyeur. Non, mais c'est pas mal, Bachoran. En vrai, c'est rigolo.
Voilà. Et toi, tu vas retourner. Et on va préparer une deuxième tourte. Histoire de gagner du temps. Mais non. Mais chérie, pause. Voilà, c'est ça que je veux. Bon, après, elle se déplace vite. Hein. Elle est vive, hein, quand même, la petite. On peut avoir de nouvelles recettes? On peut faire des trucs comme ça. Ouais, juste avec de la viande. Ok. Ah oui, c'est infini. D'accord, ok. Bon, ben, on va ouvrir. Hein. Quelle horreur. Non, le pervers, c'est celui qui se sert de la tourte à l'humain, comme d'une tarte aux pommes. Bonne nuit, Yak, des gros bisous. Des gastronomes, oui. Je sais pas si on peut parler de gastronomie à ce niveau. Non, 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 achète. Achète le vêtement qui est là-bas. Voilà, c'est ça. On va faire le réassort. Ah, super, elle a fait le réassort. Oh, la vieille toupie. Non, non. Ah bah... Allez. S'il y a personne dans la pièce, c'est fou, hein. De la vieille viande, de la vieille viande. Oui, mais elle sera tendre, grand Momo. Quelqu'un pourrait m'expliquer le concept? Je laisse les autres t'expliquer, parce que j'ai peur de m'emberlificoter dans mes explications. Vraiment. Putain, qu'est-ce qu'ils bouffent, les gens? C'est fou, hein. Ah oui, elle a acheté, super. Ah, attends, la petite dame. Mais va par là, gourdasse. Voilà, on y est. Sur le dos des gens. Avec le dos des gens, peut-être. Tiens, ils consomment par contre, les gens, hein, ils blaguent pas. Oh, le pauvre. Je suis désolé. Vraiment, je suis confuse. Ah super, on peut leur donner des ordres comme ça. Ça c'est bien ça par contre. Prendre le temps de se débarrasser des corps aussi. Hein. Oui. Ah. Merci Broquitol. En plus, il mange un peu de tissu. Oh, c'est affreux. C'est des tourtes à la viande? Oui. Après, faut pas discuter la provenance, tu vois. Non. Oh là là. Et oui, parce que l'habitude de sélectionner les persos. J'arrive, monsieur, je suis à vous dans une minute. Tu vois le sang qui gicle de là-haut. C'est affreux. Merci, Godcus. Merci beaucoup. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Ah merde, j'ai oublié lui. Hop là. Allez, mon petit pépère. Ah, oh, et elle a oublié de servir.
Les gens sont en attente là. C'est pas bon. Les clients qui attendent, c'est pas bon. Il faut nettoyer là. Putain, c'est fou ce qu'ils bouffent. Enfin, je discute pas, mais enfin, ça fait beaucoup, je trouve. Ouais, c'est elle qui taffe le plus, hein, dans la... Shop Reputation, d'accord, 260. Qu'est-ce que j'unlock? Des steaks? Des steaks, ça serait peut-être sympa, non? Ou les saucisses? On pourra faire des saucisses. Ah, on peut changer de skin. Ah ouais, il faut payer pour les skins, ok. Ah, on a une nouvelle recette. Elle est où? Saucisses. Ça c'est quoi? C'est du blé avec des saucisses. Ah, pas mal. On peut pas augmenter la capacité du magasin? C'est quand même con. Mannequin. Ah, il y a même un truc de progression comme ça. On vit dans une saucisse. À quand les hommes hamburgers? Le mari est tranquille. Ouais, c'est ça. Go saucisse. Et après, il y en a qui critiquent les zombies, tout ça, parce qu'ils ne cuisent pas leur viande avant de les consommer. C'est affreux. J'avoue que j'améliorerais bien la cuisine. Ouais, ça me paraît bien. Non, je vais pas open le shop. On va préparer la barbac et tout. Toi, prépare un autre vêtement. Pour le au cas où. Elle est où la petite dame? Ah. Et si je prends la saucisse? Faut pas faire les raffinés, il y a bien le carpaccio. Oh si c'est bien fait, c'est bon le carpaccio. Voilà, comme ça on gagne du temps. Oh putain, comment elle te le découpe. La salitude. Et comment je fais pour avoir de la saucisse? Il faut le mettre là-dedans, le corps? Ah. Non. Oh. Quelle horreur. Au secours. Quelle horreur. Petit cassoulet citadin, pas piqué des hannetons. Désolé, mais du coup, je mange une tranche de jambon cru. Oh non, mon Dieu, mais vous êtes sale. Les zombies aussi ne doivent plus être discriminés. Il faut être tolérant avec eux, voyons. C'est quand même con que je puisse pas déposer plus de matos. Comment on fait? Non, non, ça c'est le matos. Non, ça c'est le tailleur. Ah ouais, mais 25. Ah, faut faire du pognon. Bon, bah open the shop. Hein. A letter just arrived. We moved here not long ago. No one should know us. Who may have sent this? Did you tell anyone about our departure? Silence. Mm-hmm. Let me read.
ça retire pas les ondes. Je pose pas de questions. Ah, il y a quelqu'un qui connaît notre secret ? C'est un beau petit coupe modèle, ça. D'accord. Upgrade. Ouais, mais tout en anglais, moi je comprends rien, donc... Oh, elle a perdu la... Oh putain, elle a pas gardé le plateau. Oh la gourdasse. Non, non, on va faire des saucisses, moi je voulais voir les saucisses. C'est un peu trop cher, Mickaël. Vous savez, vos conversations m'inquiètent tout de même. Un riche client bien gras pour de grosses saucisses. Non mais mais j'aime bien. C'est diablement tordu, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ah oui, effectivement, ça fait des taches de sang quand on clique. Pas là. D'accord. Y'a que moi que ça amuse. Ouais. Ah oui, ça sent super bon. Un riche client bien gras pour de grosses saucisses. C'est l'économie circulaire, c'est moderne. J'adore. Au secours. La viande de riche, ça doit être goûtu, vu qu'il mange de la nourriture premium. Tu veux dire que c'est comme de la viande bio? Comment ça se fait qu'il n'y ait personne? Ah ouais, c'est pas ouf, hein. Ah voilà, on a quand même un client. Ça régule la population aussi. Non, madame, ne venez pas, pitié. Bon, tant pis pour vous. Je vous avais prévenu. Hein. Je suis vraiment confus de ce que je vais faire. Voilà. Non, désolé. Pardon. À poil. Et hop. Ready to eat. Ok. Il va me falloir de la tourte. Salut à toi, Nupéro, j'espère que tu vas bien. Pas facile de garder l'équilibre, j'avoue. Mais je pense que quand tu débloques des upgrades, tu vois, genre pour mettre plus de plats et tout, c'est cool. Mais ces actes disent autre chose. Oui. Ah, on a un vêtement qui est prêt, super. Non mais j'aime bien l'idée, me déplaît pas, je trouve ça... Bon, en vrai il en reste un là-dedans, donc ça va, on est bien. Ah, il a acheté. C'est vrai que côté vêtements, c'est pas ouf, hein. Il va falloir qu'on trouve un moyen d'avoir plus de vêtements. Bonjour, j'arrive. Monsieur. Non mais je t'ai dit d'aller là. Ne me fais pas perdre de temps, chérie. Un commerce écolo-responsable qui se base sur le recyclage, très Startup Nation, tout ça, oui.
C'est vrai que là, pour le coup, le côté start-up, on y est. Hein. Ah oui, il faudrait peut-être que je nettoie le sang, en fait. Ah oui, ça, du sang, il y en a vraiment partout. Mais que fait la police? Je crois qu'elle glande la police. Ou elle mange de la tourte. Voilà, on aura un vêtement de prêt au cas où. Humain bio ou aux OGM? Ça va partir en eau de boudin, tout ça. Oui, ça gicle, c'est ça. Elle a un rabais sur les saucisses. Par contre, les gens, ils bouffent comme quatre. Ah merde. Hop. Hop. On va lui mettre un nouveau vêtement. Alors, par contre, j'ai plus de clients, moi. Hein. Donc. Ah oui, alors ça m'arrange si tu veux bien te faire tuer sans vouloir te commander. Alors, on va prendre ses mesures en attendant. Chérie, il va falloir aller chercher. Voilà. Toi, tu dois tuer. Alors, j'aimerais. C'est vrai que je suis un peu short. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je crois qu'on va améliorer notre outil de production. Ça sera plus judicieux. Pourriez le regretter à jamais. Ici, ce ne sont pas les commerçants qui se coupent en quatre pour leurs clients. C'est l'inverse. Je dis ça, je dis rien. Mais la femme, c'est musclore au four et au moulin, la pauvre. Oui. Un stagiaire pour transporter le corps dans le hachoir. Ils sont tout de suite moins pressés. En tout cas, en cas de réclamation, tu t'abstiens. Ah oui, là, pour le coup, tu fermes ta mouille. C'est quoi? On va payer deux. Voilà. Voilà, on va déjà te préparer les corps. Attends, Johnny. Ah, mais il me restait encore. Oh là là. Oh putain. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? J'en ai trop. C'est pas perdu, mais ça va être compliqué, quoi. Attends, pose-le là, ta tourte. On va découper de la viande. Salut Yann, tu vas bien? Un bon petit jeu de gestion, ça te tente? Au secours. C'est que le début, mais ça a l'air un peu speed pour tout gérer. Mais je pense qu'en fait, les améliorations te facilitent grandement la vie. Ah oh ouais, non, mais c'est pété. C'est pété, un corps me donne autant. Oui. Je pense qu'il faut viser la prod. Et après, on pourra viser autre chose. Je pense que tu peux. Yann ne saura pas tenter le sujet. Et autour de la viande rouge. Oui, mais il n'aime pas les gens. Ça le touche? Comment elle le... Elle est balèze quand même, sa femme. En vrai, j'ai plus peur de lui que d'elle. Bonsoir Rod, comment vas-tu? Et coucou Lick, comment vas-tu? Il s'est encore défoncé au cannabis hier, il est pas dispo aujourd'hui. Bon, bah écoutez, on va open the shop. Il est sur les plateaux en haut. C'est affreux. Je ris, mais non, en fait. Vous me direz, on a de moins en moins de clients. Hein. Ça colle à la logique. Hein. J'ai envie de dire. Bah, tu as bien raison, Lick. Ah merde, j'ai oublié de préparer le vêtement. Ouais, parce qu'elle est lente, la machine. Merci, Brian.
Et merci, Michael. Ah, on a un client. Ah bah, ça tombe bien, monsieur. J'ai plus de tissu. Maintenant qu'on en parle, je suis à vous dans une minute. Ah. Et voilà. Qui va acheter la saucisse? C'est ça. Oh merde. Ah oui, on va se débarrasser de ça. Étrange qu'il n'y ait aucun client qui vienne dire « Dites, ma femme est entrée depuis 3 heures, c'est un peu long pour une robe. » Salut Lixus, comment vas-tu? Oui, c'est ce que me disait tout à l'heure Emerita. Ah non, madame. Bon, je suis à vous dans une minute. Ah oui, il y a des clients. Et voilà. Bon, ben rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se transforme. Je pense que Lavoisier kifferait. C'est clairement pompé sur le film, mais le système de chute des corps. Même le système de chute des corps, d'accord. Pardon. En mode saucisse, ouais. Il faut tout pour faire un monde. Ah. 27. Un mail? Encore? Oui, mais je comprends pas. Donc, moi, je vais préparer de la tourte. D'accord, tout est basé vraiment sur... Faut investir pour pouvoir aller plus vite. Il est quand même super efficace, le mari. 30 secondes, top chrono pour tuer quelqu'un, le déshabiller, le jeter par la trappe. Mazette. Ah ouais, non, mais moi, je discute pas. Allez, on se débarrasse des corps. Bon, lui, il est dispo, donc c'est bon. Là, on va... C'est du fait maison et frais. Ah oui, là, pour le coup, il n'y a pas de négociation à avoir hein, sur ce coup-là. On appelle ça un artisan. Oui, oui. C'est là qu'on voit un vrai professionnel. Ok. En tout cas, j'aime beaucoup.
C'est sale, mais j'aime beaucoup. Ah, voilà. On n'est plus en saucisse, c'est parfait. Je regarde au niveau des upgrades. La femme doit avoir de ses bras. N'empêche, ils se donnent du mal pour satisfaire leurs clients. Ah oui. Oui, dit comme ça, c'est sûr. Ça, c'est... C'est certain. Rappel pour les enfants, ne faites pas ça à la maison. Le couple à l'écran sont des professionnels. La vraie formulation ne serait pas plutôt « c'est sale, donc j'aime beaucoup ». Oui, j'aime beaucoup. Je connaissais pas, mais j'aime beaucoup. Je sais pas s'il est toujours en solde. Ou même s'il est sur un nez. Bah, vu les éclaboussures, je trouve son tablier bien blanc. C'est quelqu'un de soigneux. C'est fait maison. Oui, tout. Tout, même la viande, oui, oui, tout. Venez en arrière-boutique, je vous montre. Un petit reportage françoise, nos artisans du talent. C'est moche. non. Ah, un mannequin supplémentaire? Non, on va peut-être voler plus de vêtements. Ouais. C'est plus intéressant de voler plus de vêtements pour le moment. Voilà. Bon, bah, on ouvre. Hein. Voilà, on attend les clients sagement. Quelqu'un a fait essayer un streamer vrai vegan. Oh mon dieu. Merci Yann. I should clean time to time, elle dit. Bon. Ça se bouscule pas trop. Faut dire qu'on a déjà buté un tiers de la ville, donc ça devrait aller. Oh. Salut Samissa, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le follow. Eh bien, on a des clients. Bah oui, il les habille pour gagner de l'argent. Hop là. Attends, hop. Il les tue et récupère les habits et entre temps, ils ont mangé leurs voisins et ils ont payé pour ça. Tu sais, je ne discute pas. Hop, super, on a de la viande. Pardon, monsieur. Oh, on va faire un peu de sa saucisse. Combien tu en récupères là pour le coup? 2. Ah bah c'est quand même vachement mieux. C'est plus clean hein. Ah, trop long. D'accord, je voulais savoir. On va savoir. That smells so good. Bougez pas, j'arrive. Non, je vous avais dit qu'il fallait pas bouger. J'arrive, monsieur. Ah voilà, là, il est en train de lui foutre tarif. Moins de clients, je pense qu'à ce rythme, c'est le maire de la ville qui doit s'inquiéter. Ah oui, il consomme, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'ils consomment les gens? C'est fou, hein. Non. Bah on va attendre, hein. À bientôt. Nous, on va préparer des vêtements en avance. Pendant qu'elle finit de cuisiner. En mangeant une salade. J'arrive. Il
Ils vont venir, devenir une chaîne bientôt. J'ai envie de manger une tourte. Mon Dieu, c'est horrible. Non, madame, fallait pas vous sentir obligé. Définit mal finir une chaîne dans genre Butoni. Non, ça va. J'ai encore peu de temps devant moi. Ah. There's blood everywhere. Et voilà. J'arrive, hein. Je suis obligé de refaire. Oh putain. J'ai les corps qui s'accumulent, c'est le bordel. Depuis que ce couple est installé en vie, Gregor Piper n'a plus personne à enterrer. Ah bah là pour le coup. Bon après il y a une vraie réutilisation des corps, tu vois. C'est pas une critique. Ah bah elle a plus de taf que son mari. Allez hop. Ah. Une chaîne de magasins type délicate et saine. Salut Scaven, comment vas-tu? Comment vas-tu, petite voix? Petite voix pour toi ou petite voix pour moi? Finalement, question sérieuse, savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette? Faites attention, c'est un peu dégoûtant. Carson, ouais. Ah, il veut une tenue de chasse. Mmh. Bah, tant que ça se mange, il taille une bavette, tue-le. Ils vont dans l'arrière-boutique du tailleur au calme. Oui, oui, c'est ça. Moi, ça va un peu confus. Je me suis penché sur l'expérience menée sur la double fente de Young. Conclusion, à tomber à la renverse. Je vais te croire. Je suis un littéraire. Alors, j'aimerais, si c'est possible, bah, si seulement c'est possible. Hein. Oui, ça améliorerait la vitesse. Peut-être un mannequin supplémentaire, ça serait quand même top. Au niveau de la table, mec, yourself atom. Non. Augmenter le display. Ouais, ça serait pas mal, ça. Je suis pas mal. Hein. Ah, ah, voilà. Là, 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 ça me parle. Là, on va faire des trucs. Voilà. Ah. Ah, on va pouvoir refaire le plein. J'étais inquiet, mais bon. Avec regret, je pars me coucher. Merci pour le live, Franck. Et le chat. Mais je t'en prie, René, des gros bisous, mon poulet. Des gros, gros bisous. J'ai peut-être un peu exagéré sur la quantité. Hein. Mais le problème... Si ça te parle, c'est que ton mari n'a pas bien fait son travail. On va attendre un peu. Je peux pas. Ouais, non, deux livres. J'irai pas loin. Donc, on va attendre qu'elle finisse le prochain plein et je vais en préparer un autre d'avance.
Pour le néophyte, l'interprétation consiste à dire que les deux lumières s'ajoutent et que la couleur affichée dépend de la longueur de chacun des deux trajets, et donc du temps pris par la lumière pour aller d'un point à l'autre, ainsi que la différence entre les deux chemins. Merci, Nico. Yes. Et inversement, bien sûr. Si je vous dis que je vous fais confiance, ça vous va? Ça marche aussi, hein? Alors, il va falloir refaire le plein de viande. Alors, il faut que je me débarrasse un peu des corps, hein, parce que là... C'est pas que ça prend de la place, mais un peu... C'est trop bien, c'est trop compliqué. Oh, mais moi je fais plus attention. Je suis perdu. Moi je découpe des corps, hein. Donc bon. En gros, une molécule, sinon observée, devient à la fois molécule et vague onde. Mais si on la mesure, choisit son état, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que nous ne sommes qu'une simulation informatique. D'accord. De toute façon, les clients n'ont pas les tripes de se plaindre des plats proposés. Enfin, ils n'ont plus les tripes. Si ? Ils les ont dans leur plat. Alors, attendez. Tout est ok. C'est dommage, j'aurais dû prendre un autre mannequin. Ah, c'est vrai que le four est pas rapide. Peut-être avoir un four plus rapide, ça serait plus intéressant. Oui, nomade, il faut faire attention quand tu fais des recherches. On n'est pas vraiment affiché calculé. D'accord. Et comment ça se fait que tu t'intéresses à ça? Sans indiscrétion, bien sûr. C'est fascinant. Pour la curiosité intellectuelle, ça j'y adhère après. Hein. Tout ce que dit cette expérience, c'est qu'un instrument de mesure qui interagit avec une expérience modifie celle-ci. Je laisse les scientifiques débattre. Non, non, madame, non. Oh, va falloir que je la tue. Pour le savoir et ou la vérité. Parfait. Monsieur Spock, téléportation. Mais je vous crois, d'ailleurs, au passage, cette expérience qui sert théorie du complot. D'accord. C'est rigolo que tu dises ça, parce que sur une de mes vidéos, mon Dieu, j'en ai eu. Alors que, en fait, je l'avais monté de telle manière à ce que ça soit récréatif, quoi, mais... ma faute, mais à coup de pas. Oh, merde, il faut que je refasse le plein, moi. Vite! Mais... Ah bah oui, tu vas aussi vite que tu peux, mais... Ah, ça tombe bien, merci. Ah, voilà, je suis confus, pardon, excusez-moi. Hop là. Allez, à poil. Bon, c'est en train de se préparer. Allez. Ah, ça y est, mon plat est prêt. Cool. Faut régaler les gens. Elle est où?
On est bien, Tata. Oh non, madame, j'ai pas envie de vous tuer. C'est vrai en plus. Bon bah, désolé. Bonne nuit, Wizga, des gros bisous. Je suis fatigué, moi. Blues, je suis en train de buter des gens. Est-ce que tu crois pas que, effectivement, moi aussi, à un moment donné... Ah. Faut pas dire que son mari est efficace, hein. Tiens, on va faire de la saucisse. Non, par là. Hop là. Non, monsieur, ne venez pas. Oh. Franck, tu es obligé de les tuer quand ils restent en arrière-boutique? Je crois que j'ai pas le choix, ils bougent pas. Bon, après, ça reste de la viande, hein. Et entre nous, voilà. Hein. Et du coup, ça justifie la pensée magique. L'état d'une particule. Sinon, ils vont faire de la mauvaise publicité. Ah bah là, pour le coup, ils en font plus. Hein. Regarde, la preuve en est. Oh, j'ai pas assez de connaissances là-dessus. En vrai, j'ai pas assez de connaissances. Enfin, dans ce domaine précis. Attends, ils ont déjà tout boulotté? Ah. Ah. Oh. Une femme? C'est ça, monsieur souris. Ah, c'est une noble. Oh. Ah. Salut Faedren, comment vas-tu? Je ne sais pas lequel est le plus monstrueux entre celui qui enchaîne les meurtres au ciseau à l'étage ou celui qui voit les cadavres s'empiler sans rien dire, sans parler du problème de la fidélisation du client. Au bout de 10 tartes achetées, t'en as une offerte. Si c'est pas de la fidélisation, je sais pas comment t'appelles ça. Ça marche, Raziel. Des gros bisous et bonne nuit. Mais je t'en prie, messieurs, avec grand plaisir, des gros gros bisous. D'accord, elle est en train de mourir en fait, la fille. Mmh.
Elle a mis des fleurs, d'accord. Ah oui, les clients adorent, ouais. Enfin, quand ils sont pas morts, c'est surtout ça. Je pense au suicide. Chérie, viens voir mes fleurs dans la boutique. Non mais c'est ça. Ah oui, j'ai peut-être laissé un peu s'empiler, ouais. Va falloir peut-être régler le problème. Voilà qui est un peu chiant. Alors elle, je voudrais qu'elle fasse des fourneaux, enfin avoir des fourneaux un peu plus, comment dire. Bon, lui déjà un mannequin, mais c'est 30 livres. Non, le pub, je m'en fous. Mais où sont les fourneaux là-dedans? Ah, ça m'en met deux. Ah, je peux pas, c'est 40. Merde. Bon, bah 20. Bah, pour un qui soit un peu plus rapide. Par contre, je dirais pas non pour... Ah, putain, c'est trop cher. Bon, normalement, ils vont plus vite. Enfin, il va aller plus vite, le four. C'est le radeau de la Méduse avec tous ses cadavres. Mais non. Bon, il y a un truc qui me fascine dans la physique quantique. C'est le phénomène de l'intrigation quantique. D'ailleurs, je peux pas faire de pub, mais la tronche en biais, on a parlé dans son débat quantique et charabia. Et fin de la parenthèse. D'accord. Oui, c'est un poil plus rapide. Ça coûte cher d'investir dans une entreprise legit. C'est ça. Je t'en prie, Michael. Hop là. Ah, c'est bon de satisfaire ses clients, c'est important. Transforme en vampire. Sinon, ça va en ce moment, Hortemba? Je veux dire, dans la vie de tous les jours et tout. Ah. Et hop. Bon, on va open the shop. Hein. Ah oui, effectivement. Hein. Beaucoup plus rapide. Et voilà. Tout est prêt pour recevoir la clientèle. Et ça, c'est important. Ah. Oh non. Bon, ok. On n'a pas le choix. Oh, désolé. Ready to eat. Vite. Merci, Nico. Merci beaucoup, mon poulet. All right. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà.
Ah, parfait. Mais chérie, vas-y par... Oh non, encore une cliente, c'est pas possible. Plus de place, plus assez de place dans le congélo. C'est un peu l'emmerdement, oui. Mais on a de quoi vendre. Et ça, ça n'a pas de prix, tu vois. Non, c'est pas ça que je voulais que tu fasses. C'est ça que je veux que tu fasses. Attends, viens par là. Là, faut pas perdre de temps. Voilà. Et tu vas me faire chauffer tout ce bazar. Oh non, putain. Au secours. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas obligé de les buter. Ah, ça c'est bien. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Construisez plus. Il y a trop de corps. Oui. Mais tant mieux. Ça m'évite de tuer d'autres personnes. Chérie, voilà, les derniers clients. Non, mais je vais pas te tuer. Tu peux prendre ton temps. Ah. C'est donc ça, l'Habeas Corpus. Tu as vu? C'est revu et corrigé quand même. Hein. Ouais, les gens ils sont contents. Ouais, on va pouvoir se débarrasser des corps. Sans être dans l'exagération. Et merde. Ah. Oui, j'avais compris, Hortoma, t'inquiète pas. Aidez-moi, d'accord. Est-ce que vous avez vu mes parents? Trouve pas ta mère? Elle est dans une des tartes. Dans une cité dangereuse, ouais. Non. Tue-le. Mais c'est un enfant, je vais pas le tuer. On peut lui dire mange tes morts. Bon, dans ce cas-là, oui. Eh, la boutique, elle tourne bien, j'ai pas à faire la gueule. Ah putain, faut leur faire. Bon, c'est pas grave. On va préparer ça rapidement. Et je vais me débarrasser d'un décor. Au moins un. Ou deux, peut-être. Je sais pas. Hop là. Tu viens de manger ta mère. Il fera un bon beignet à viande.
faut le laisser grandir un peu. Et un sandwich à la maman. C'est moche. Bonne nuit, Franck. Des gros bisous. Les clients seraient mécontents de la qualité. Oui. Oh bah oui, mais moi... c'est une question de... Voilà, faut quand même pas pousser. Je pensais à ça, car à l'époque, mes parents étaient choqués. Je me demande si ce qu'ils penseraient devant cela. Moi, j'évite d'y penser, tu vois. En vrai, je préfère éviter. Ah bah voilà, on peut se débarrasser de quelques corps. Ah bah voilà, suffit de demander. Oh là là, si compliqué. On pourrait faire comme des wings. Oh. N'ai encore senti repérer l'odeur des corps dans la cave. Ah ouais, là, je confirme parce que ça doit... Ça doit fouetter un peu quand même, mon cher blues. Ou faire du soleil vert. Putain, quel ref. Merci pour cette référence. Je crois qu'on va augmenter les mannequins. Ouais, on va faire ça. Comment ça, faut pas pousser mémé? Si, si, il faut la pousser. Il faut même tasser avec cette masse. Re, Michael. Au niveau des upgrades. Putain, j'ai reçu un troisième mail. Mais je m'en fous, je comprends pas ce que tu me racontes. Donc, ah, les mannequins, super. Ah, j'avoue, si lui pouvait vendre un peu plus. Que elle, elle puisse pas cuire plus rapidement, à la limite, ça va pour le moment. En vrai, ça va. Mais lui... Ah. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est pour faire un autre workbench. Ouais, pour le moment, ça devrait aller. Décoration. Ah. Non, on peut pas, dommage. In the greenhouse. Oh là là, mec. Ah, j'en ai un autre, super. Ah bah voilà, suffisait de demander. Ah bah là, on fera plus de tutunes. On a un peu poche. On amène un peu de soleil vert dans la vie des clients. Tes parents étaient choqués par des cas, lol. Mon père, lui, l'était rien que par le filtre de l'un des Might and Magic qui était un truc du style pour le sang et l'honneur. Juste le mot sang était pour lui choquant. Ah ouais, d'accord. Non, 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 mais j'avoue que des jeux comme ça, ils m'auraient posé quelques questions, tu vois. Papa, papa, j'aime plus mamie. Un petit effort, il n'en reste plus beaucoup. Non, c'est pas... Mon Dieu, c'est affreux. Bon, bah écoutez les enfants, moi je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que, évidemment, cette soirée découverte vous a plu, en tout cas la manière dont elle a été tournée, qu'on puisse... alors, c'est vrai qu'on, je vous ai imposé insurmontable, mais celui-ci, c'est vous qui avez voté, en tout cas. La semaine prochaine, on débutera par The Serpent, d'accord? Et pareil pour le deuxième jeu, bien évidemment. On regardera le catalogue et on choisira. Ça tombe sous le sens. En tout cas, merci énormément pour votre présence, vos soutiens respectifs, bien sûr. Je vous fais à tous des gros, 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 gros bisous à tous. C'est ça, Reinhardt. Mais j'aime beaucoup la ref. Il nous cache une partie du business. C'est un stream qui se déguste sans fin. Un délice. Bonne nuit et bon courage pour demain, les canards.